Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps de nous quereller. Dans les familles, il va falloir vous réconcilier, mes chers frères et sœurs. Il y a trop de conflits qui durent depuis bien trop longtemps. Et lorsque nous ne serons plus là, nous donnerons l'heure du monde pour pouvoir revenir, mais nous ne pourrons pas. Je vous conseille, alors que vous êtes vivant, de profiter de vos proches, de ne pas attendre. Vous avez vu un peu comme des fois les gens shaitan, lorsqu'ils se détestent, la langue va vite, les gros mots, les insultes, etc. Et quand on doit dire à quelqu'un qu'on l'aime, nahsham, on a honte. Comme si finalement, il y a plus d'aisance dans le haram que d'aisance dans ce qui est recommandé par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Idha ahbabtum shakhs faqulu lah inni uhibbuka fillah. Law arafna qimat al-akhirah, si nous connaissions la valeur de l'au-delà, notre vie, nous ne chercherions aucun conflit. Nous ne chercherions chez les gens que leurs qualités. Et nous délaisserions leurs défauts. Combien de gens avons-nous regretté? Combien de sable avons-nous mis par-dessus les cercueils? Combien donnerions-nous pour faire une discussion de 5 minutes avec notre père, notre mère, nos frères ou sœurs ou n'importe qui nous